Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Test Achat pour une rencontre avec une palette d'experts sur une palette de thématiques de cette rentrée. Alors, si jamais il y en a encore parmi vous qui ne connaissent pas Test Achat, Test Achat c'est une association autonome, indépendante, belge, qui veille à aider les consommateurs dans les choix de leur vie, dans les choix d'électroménager par exemple, ou d'investissement, ou bien dans des questions de santé, des questions d'alimentation, mais vraiment, imaginez toutes les thématiques auxquelles vous pourrez être confronté tout au long de votre vie. Il y a de fortes chances pour que Test Achat, depuis 1957, se soit déjà penché sur la question. Si vous voulez évidemment explorer plus, testachat.be sera votre site internet de référence. Et puis, si vous avez envie de creuser encore plus loin, vous pouvez prendre un abonnement premium qui vous donnera accès à tous les contenus, tous les comparateurs, etc. Mais ça, évidemment, on en parlera plus tard. Et puis, vous êtes déjà nombreux, nombreuses à connaître. Les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien, on va parler de la grande enquête annuelle de fiabilité et de satisfaction des petits appareils électroménagers. On va parler de comment les influenceurs impactent ou pas nos décisions d'achat. On va parler investissement avec les bons d'État et on va terminer avec les droits et devoirs des étudiants lorsqu'ils sont en cote. Très important pour cette rentrée des classes. Alors, nous accueillons déjà sur le plateau mon premier expert du jour, c'est Sébastien Stevering. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Sébastien, toi, tu viens nous parler de cette grande enquête que Test Achat fait de manière annuelle. On a déjà parlé dans une capsule précédente, il y a quelques mois, du gros électro. Là, maintenant, on va parler du petit électro. Exactement. Alors, petit électro, juste pour préciser, ça va du fer à repasser à l'aspirateur, voilà. Du robot cuisine à la machine à café, au micro-ondes. Le micro-ondes, la friteuse, l'air fryer, tout ce qui est dans la cuisine. Mais pas le frigo, la vaisselle, ça c'est du gros électro. Non, voilà, ça ce sont les grands. Mais donc tout ce qui bouge dans ton... Oui, voilà, tout ce qu'on peut potentiellement ranger et sortir de l'armoire. Exactement. À chaque fois qu'on en a besoin. Voilà. C'est un bon moyen pour mettre la limite. Alors, explique-nous un petit peu, c'est quoi cette enquête? Comment ça s'est passé? Voilà, donc comme vous l'aviez dit, c'est une enquête qu'on fait annuellement sur la fiabilité et la satisfaction des petits électroménagers. Pour cette enquête, on collabore toujours avec nos pays partenaires, donc avec la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et ça fait en sorte qu'on a assez de réponses pour vraiment avoir des résultats stables. Et ça marche bien parce que cette année-ci, nous avons récolté 76 000 répondants et ça nous a fait la possibilité de faire une évaluation de 135 000 appareils électroménagers. Ah, pas mal quand même. 135 000 appareils, c'est un bon, un bon panel, comme tu disais. Oui, oui. Et c'est moi qui fais l'analyse, donc ça prend du temps aussi. Effectivement, je comprends qu'à un moment donné, les chiffres clignotent. Hein. Alors, mais comment est-ce qu'on calcule les résultats? C'est quoi qu'on prend en compte? Oui, donc, on parle de la fiabilité, de la satisfaction et du cycle de vie dans cette enquête. Pour la satisfaction, c'est le plus simple, donc commençons avec cela. Oui. On leur demande quelques questions sur leur appareil électroménager, depuis quand est-ce que vous l'avez, combien de fois est-ce que vous l'utilisez par semaine, et puis aussi, êtes-vous satisfait, oui ou non, de votre appareil sur quelques aspects, et puis la satisfaction en général. Et en fait, c'est cette satisfaction en général dont on prend la moyenne pour faire l'évaluation par marque. D'accord. Et puis, pour la fiabilité, là, on prend en compte un peu plus de variables. Donc, d'un côté, on prend l'âge et l'utilisation de l'appareil. De l'autre côté, on prend les problèmes survenus et l'intensité de ces problèmes. Mmh. Et donc, ça nous... avec cela, nous parvenons à faire un indice de fiabilité qui revient sur 100 points. D'accord. Ah oui, donc il y a quand même moyen d'avoir de la marge assez large. Sur 100 points, c'est pas mal. Et il y a quand même aussi, bien que, disons que en Belgique, surtout, les résultats sont bons et donc la plupart des marques ont des bonnes cotes, il y a quand même encore des différences de 30 à 40 points entre le meilleur et le moins bon des fois. Donc, c'est quand même encore, il y a quand même encore de la variabilité dans ces résultats-là.
Et puis enfin, nous avons aussi le cycle de vie. Et là, nous posons des questions sur l'appareil précédent, parce qu'on doit savoir que l'appareil doit déjà être remplacé. Et donc, on leur demande quel type ils avaient, combien d'années ils l'ont utilisé et pour quelles raisons ils l'ont remplacé. Ouais. Savoir qu'on remplace le petit électro pour des raisons différentes qu'on remplacerait son smartphone, exactement, par exemple. Et donc là, pour nous, c'est très important parce qu'on ne veut que prendre en compte les appareils qui ont été remplacés pour des raisons de fiabilité. Et donc non parce que on a reçu un nouveau comme un cadeau ou qu'on voulait un nouveau modèle. Ou qu'on voulait une autre couleur. Voilà, donc ça n'allait plus avec les couleurs de ma cuisine, alors je l'ai changé. L'appareil devait être réparé et je ne l'ai pas réparé parce que n'importe quelle raison, mais il y avait vraiment un problème de fiabilité et c'est pour ça que j'ai remplacé mon appareil. Donc c'est quand même assez c'est très cadré comme enquête et comme cadre de questions. Alors, est-ce que tu as des résultats intéressants à nous communiquer? Donc oui, il y a plein de résultats intéressants, mais je vais vous on va en choisir quelques-uns parce qu'on n'est pas là pour deux heures. Donc quelque chose qu'on trouve premièrement, c'est de nombreux appareils électroménagers deviennent de plus en plus populaires dans nos ménages et dans nos cuisines. Et là, d'un côté, on retrouve les aspirateurs balais et les aspirateurs robots qui deviennent de plus en plus populaire dans notre maison. Donc, ils remplacent les gros aspirateurs à brancher avec le chariot. Et souvent aussi extra. Oui. C'est souvent en fait un aspirateur d'appoint, disons. Et qui est plus rapide à sortir pour vite passer qui est plus facile autour de la table. En utilisation. Et dans la cuisine, on retrouve les air fryers, catégorie de chaque année, on reçoit de plus en plus de résultats, et les robots cuiseurs. Et ce sont les robots culinaires qui coupent d'abord et puis qui cuisent aussi tout de suite le repas. Et ce sont des appareils qui ont déjà toujours été très populaires en Italie, au Portugal et en Espagne. Mais maintenant, on voit qu'en Belgique aussi, de plus en plus de gens ont ça dans leur cuisine. Au air fryer, on laissait la friteuse à huile au placard ou l'ont carrément remplacé par un air fryer. Oui. Et donc, deuxièmement, ce qu'on a aussi retrouvé et qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des différences de comment on remplace nos petits électroménagers comparés, par exemple, aux appareils high-tech. Dans les appareils high-tech, on remplace beaucoup plus souvent par choix. Disons. Par envie. Par envie. On veut un nouveau modèle. On trouve que la réponse sur son smartphone n'est plus assez vite. Donc, on veut un nouveau modèle ou on veut simplement des nouvelles fonctions. Alors que ici, ce qui est une bonne nouvelle pour la durabilité, logiquement, on remplace quand même encore majoritairement nos petits électroménagers pour des raisons de fiabilité. Oui, oui. Donc, on les utilise jusqu'au moment où ils rendent l'âme. Voilà. Où c'est plus possible de les démonter et de les réparer. Mais c'est vrai qu'on a une communication moins glamour sur les aspirateurs que sur les smartphones ou les téléviseurs. Ça a une influence aussi, oui. Effectivement. Bon, et on parle de durée de vie, justement. Est-ce que tu as des conseils à donner pour augmenter la durée de vie de nos appareils? Oui, exactement. Donc, à base de nos résultats, mais aussi simplement des choses en général, des astuces générales qu'on peut vous donner pour les petits électroménagers, mais en fait pour, disons, tous les électroménagers. Si vous avez un problème pendant votre période de garantie, n'hésitez pas à tout de suite aller auprès du producteur pour essayer de remplacer votre appareil. Parce que même si c'est un problème mineur, ce problème mineur pourrait évoluer en problème majeur et l'hasard va vouloir faire que ce problème majeur se pose. Va exploser après la garantie, exactement, bien sûr. Exactement. Donc, si vous trouvez un problème pendant cette période, n'oubliez pas, vous avez droit, en tant que consommateur, d'aller remplacer si c'est nécessaire. Puis aussi, choisissez un appareil qui répond à vos besoins.
Souvent, on a la tendance d'acheter un appareil qui a beaucoup plus de fonctions dont on aurait même besoin. Mmh. Par exemple, on veut un micro-ondes simplement pour réchauffer sa soupe tous les jours, mais on achète un micro-ondes avec la fonction grill, la fonction air chaude et toutes d'autres fonctions pour encore pouvoir réchauffer différents aliments. Mais si on l'utilise simplement pour... Uniquement pour réchauffer sa soupe ou sa tasse d'eau, oui, des trucs voilà. très simples. On n'a pas besoin d'effectivement acheter un truc quelque chose aussi complexe. De simple aussi. Oui. Parce que le plus complexe que l'appareil est, le plus de points de défauts qu'il pourrait avoir. Oui. Et donc, éviter d'acheter quelque chose qui est trop compliqué pour vos besoins. Et puis, en ligne avec cela aussi, soyez prudent avec les fonctions intelligence et les batteries. Donc, de plus en plus de petits électroménagers ou électroménagers, on ajoute des fonctions intelligentes, comme par exemple qu'on puisse déjà allumer sa machine à café, dès qu'on, allez, même si on est encore dans le lit, on se lève et on peut simplement faire la machine à café à distance. C'est cool, c'est un gadget. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, je dis tant que la machine n'apporte pas le café au lit, ça n'est pas nécessaire. Voilà, et ça, on n'y est pas encore. Non, on n'est pas encore là. Ah, zut. Mais donc, comme on le sait avec tous les appareils, dès qu'on a plus de logiciels, ça va aussi toujours avoir une influence sur le cycle de vie. Mmh. Pensez par exemple aux vieux téléphones portables versus les smartphones maintenant. Ben, il y a une grande différence entre le cycle de vie. Et ceci est aussi le cas pour les appareils maintenant avec une batterie. Donc, ce qu'on retrouve avec les aspirateurs balais et les aspirateurs robots, c'est que le problème le plus grand, c'est la batterie et les chargeurs de batterie. Okay. Donc, c'est le problème le plus important pour chacun de ces catégories-là. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le cycle de vie. Ces appareils-là ont un cycle de vie d'environ 5 ans versus l'aspirateur classique qui a un cycle de vie d'environ 10 ans. D'accord. Donc, oui, il en faudrait acheter deux. Oui, sur la durée de l'autre. Oui. Voilà, pour arriver à la durée de vie de ton... d'aspirateur classique. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à quel type de batterie on choisit, ou bien alors il faut vraiment réfléchir à deux fois, est-ce qu'on a bien besoin d'un aspirateur robot? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même garder l'utilisation de notre aspirateur classique? Je pense que d'année en année, la technologie des batteries devient de plus en plus efficace. Efficace et qui vont avoir des durées plus longues au futur. Oui. Mais c'est quelque chose où on voit que c'est vraiment une raison de remplacement. Mm-hmm. Souvent parce qu'aussi, la batterie est un prix ou fait en grande partie du prix oui. de l'appareil. Oui, donc moins l'appareil est cher, probablement moins bonne est la batterie. Oui, et surtout aussi, ben, moins l'appareil est cher, plus la batterie a l'influence sur le prix. Donc, oui. on va plus acheter un nouveau produit alors qu'on pourrait aussi remplacer la batterie. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, est-ce qu'il y a encore un conseil? J'imagine que c'est un petit peu... Voilà. On va terminer ensemble comme on termine à peu près toutes les interviews avec tous les experts. J'imagine qu'il y a un comparateur et quel résultat de cette enquête voilà. sur le site internet de TestAchat. Exactement. Donc, l'astuce finale, c'est choisissez la bonne marque quand vous achetez un petit électroménager. Il y a un certain nombre de marques qui ont généralement de bons scores dans toutes les catégories où ils sont actifs, mais il y a aussi vraiment des marques spécialistes, mmh. disons, qui ont vraiment leur catégorie de produits où ils sont excellents, experts. Et donc ça aussi, on les revoit dans nos résultats des petits électroménagers. Et puis aussi, finalement, on trouve aussi des fois des marques bon marché qui ont quand même un très bon score. Donc oui. où nous aussi, on est surpris par leur bon score, mais c'est vraiment bien le cas. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant parce que ça se retrouve aussi... Allez, vous allez aussi trouver la différence dans votre portefeuille. Surtout dans le cycle de vie, on mmh. voit que le meilleur étudiant et le plus mauvais étudiant, dans plusieurs catégories, on parle d'une différence du double. Ah oui, quand même. Donc, oui. L'un a 7 ans en moyenne et l'autre a 14 ans en moyenne. Ah oui, d'accord. Donc, entre les bons et les mauvais élèves, il y a quand même une grande marge. Dans quelques produits, il y a vraiment des marges intéressantes. Et donc, ça aussi, vous allez le retrouver en achetant quelque chose.
si ça a moins de problèmes pendant sa vie et si ça a un cycle de vie plus long, bah, c'est beaucoup plus confortable pour nous aussi. Et donc, pour savoir qui est qui, rendez-vous sur testachat.be, évidemment, puisque c'est là que vous aurez tous les détails. On ne peut pas commencer à lister tout le monde ici. Et puis sinon, ici, on fait du teasing quand même. On vous invite aussi à venir voir sur le site pour ces détails. Et puis, important aussi, nous publions dans notre magazine de septembre et d'octobre sur ces résultats-ci, donc rendez-vous au magazine aussi. Oui, effectivement, le support papier reste aussi tout à fait une bonne source d'information. Mais merci beaucoup Sébastien d'être venu. Avec plaisir. Et puis j'espère à bientôt. Merci de m'inviter. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et donc nous quittons maintenant la thématique du petit électro et nous avons l'une de nos responsables du service juridique qui vient me rejoindre. Alors on va remettre le micro à la bonne hauteur. Oh. Merci. Parfait. Parfait, c'est nickel. Mais bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors avec toi, on va parler des influenceurs et des influenceuses et de l'impact qu'ils ont aujourd'hui dans nos décisions d'achat. Parce que c'est vrai que si on est sur Instagram, sur TikTok, on voit apparaître sans cesse des vidéos d'influenceurs qui vont vanter les mérites de produits qui sont bien entendu toujours miraculeux, qu'ils prétendent ou qu'ils disent avec conviction avoir testé personnellement, et on parle vraiment de tous les domaines, que ce soit la mode, le lifestyle, la santé, le high-tech, la beauté, le sport, la cuisine, les voyages, vraiment tous les thèmes y passent. Mais, et il y a un grand mais, oui. Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire la promotion de tout sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des produits ou des services qui sont interdits de publicité? Excellente question. Donc d'abord, avant de répondre à ta question, Stéphanie, selon une enquête du SMI de 2022, un Belge sur quatre, en fait, a acheté suite à une recommandation d'un influenceur sur un réseau social. Donc c'est énorme, en fait, il faut se dire. Donc quand on parle de marketing d'influence, on parle vraiment de recommandations commerciales qui sont liées aux émotions et aux expériences d'un influenceur. Et donc on ne parle pas de pure publicité sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment un influenceur. Une influenceuse qui a fait une vidéo pour dire et qui te recommande, j'ai testé ce produit, c'est génial, allez-y. Et là, on verra que la frontière va être ténue quant à savoir est-ce qu'on a un contenu éditorial ou est-ce qu'on a vraiment une communication commerciale. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut vendre tout sur Internet, sur un réseau social, ça va comme l'ensemble du commerce en ligne. Mais la question, bien entendu, c'est non. Donc, tout ce qui est substance illicite, visiblement pas. Ça, c'est évident. Voilà, ça, c'est un petit peu évident. Les drogues, le tabac, tous ces sujets-là. Le tabac, c'est l'alcool aussi. Alors, il y a des produits qui sont réglementés, notamment les monnaies virtuelles comme les bitcoins, etc., la crypto-monnaie. Donc, ça, la FSMA a étroitement réglementé cette matière-là. Tout ce qui est chirurgie esthétique et traitement médicamenteux ou des médicaments, là, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en matière de santé, ça, sans empiéter sur mes collègues de Test Santé, le problème aussi, c'est de savoir qui est derrière, en fait, l'influenceur. Est-ce que c'est un professionnel de la santé ou pas, qui va vous recommander telle crème, tel produit, tel médicament? Et en fait, il faut vraiment mettre les gens en garde par rapport aux incidences, aux conséquences qu'un produit soi-disant miraculeux peut avoir sur votre de santé. Donc, pas question d'arrêter votre traitement si vous avez une maladie, pour dire je vais aller prendre le soleil en Grèce, etc., ou prendre tel produit. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Tout ce qui est jeu de hasard aussi, évidemment. Et puis, il y a aussi une liste de la Commission européenne via le Safety Gate qui, là, trace en fait toute une série de produits qui sont défectueux, donc des jouets, par exemple, qui sont défectueux. Et donc là, effectivement, c'est une liste de produits non alimentaires où l'influenceur doit aller voir si ces produits ne sont pas impropres à la consommation. D'accord. Et donc, il y a quand même un couloir assez étroit dans lequel on peut manœuvrer. Et donc, il faut être très, très vigilant. Les influenceurs, ils sont soumis à des obligations légales ou ils ont totale liberté de faire ce qu'ils veulent?
Non, bah, bien qu'il y ait des fois des no rules, on pourrait dire. Mais moi, je vais vous parler essentiellement de la Belgique, parce qu'effectivement, quand on parle aussi de réseau social, bien évidemment, c'est à travers c'est mondial, le monde. Bien sûr. Voilà, donc on va parler plutôt de la législation en Belgique qui découle de l'Union européenne, de la législation en matière européenne, je vais y arriver. Et donc, quand on est influenceur, si on a une activité régulière et récurrente, et si on poste régulièrement des postes, etc., eh bien, le code de droit économique vous impose d'être inscrit à la banque Carrefour en tant qu'entrepreneur. Donc D'accord. ça, c'est vraiment le côté très administratif qui est important, qu'on puisse après vous tracer s'il y a un problème. Alors, d'autre part, ce qui est très important, c'est que la publicité ne peut pas être déguisée. Et là, on en arrive vraiment au cœur du problème des influenceurs, c'est que vous allez avoir un panel, enfin, tu vas avoir un panel différent entre une recommandation, une expérience propre et vraiment la promotion commerciale oui. d'un produit. Donc là, on en reviendra à la troisième question. Bien sûr. Quels sont les signes qui permettent de détecter un partenariat commercial? Voilà, la loi vraiment oblige l'influenceur à ce que la publicité soit identifiée dès le premier coup d'œil. D'accord. Ça, c'est ce que le code de droit économique dit. Mais il y a une lacune quant à savoir comment ces mentions doivent être émises par l'influenceur. Et donc, ça peut être un hashtag dans les comments, ça peut être une mention en haut à gauche avec partenariat commercial, avec sponsoring, offre. Parce que qu'est-ce qu'on entend par offre commerciale? Ça peut être aussi une offre où l'influenceur en fait reçoit quelque chose à titre gratuit. Et là, il y aura aussi un partenariat commercial. Donc ça, c'est la deuxième obligation. Et la troisième obligation qui découle de tout pourri que tu vends, c'est que la publicité ne pourra pas être mensongère. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas induire la personne en erreur quant aux caractéristiques, etc. Et là, on en arrive à la publicité de façon générale. Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas dire ce produit est miraculeux s'il n'a pas été jusqu'au fond testé, exploré et validé en disant oui, c'est vrai, effectivement, tous les effets sont ceux qui sont annoncés. Exactement. Quelle que soit la thématique, évidemment. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets où c'est sans gravité, mais quand ça touche à la santé, c'est autre chose. Donc là, tu as expliqué un peu comment les influenceurs étaient tenus de mentionner le fait qu'il y avait un partenariat commercial et ce qui nous aide, nous, en tant qu'observateurs ou comme clients potentiels, les signes qu'on doit retrouver sur leur publication pour le savoir. Mais de manière générale, à quoi est-ce qu'on doit être attentif? Quels sont les comportements qu'on doit mettre en place pour être moins facilement attrapé, pour être moins facilement pigeonné? C'est vraiment ça. Et j'ai même envie d'ouvrir un petit peu. Est-ce qu'il y a un public cible, un public plus fragile face à ce, parce qu'on pense toujours aux jeunes, mais je me dis que les jeunes ont de plus en plus une éducation aux médias, donc ils sont, je pense, de mieux en mieux armés, et qu'en fait, finalement, le public le plus à risque est peut-être dans des générations auxquelles on ne penserait pas au départ. Et tu as tout à fait raison, Stéphanie. Donc, il y a cette fameuse étude que je mentionnais en début, qui disait que 69% en fait des jeunes, donc c'est entre les 18-30 ans, jeunes aussi, est parfaitement au courant, en fait, qu'il s'agit d'un partenariat commercial. Et donc, ce qui privilégient ces jeunes-là, c'est vraiment l'authenticité et la véracité. Donc, on ne va pas leur faire, comme je dirais. Ils savent exactement ce à quoi ils sont exposés. Oui. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, outre les mentions que je citais tout à l'heure, il faut aussi garder vraiment un recul nécessaire. Donc, ça, c'est comme dans tout achat sur Internet. Attention, parce qu'en parlant de recul, tu as fait un pas en arrière, donc tu t'éloignes du micro, là. Attention. C'est que le marketing d'influence, évidemment, va surfer sur vos émotions, sur votre ressenti, votre esprit d'adhésion, vous allez suivre quelqu'un parce que vous adhérez à ses convictions, etc. Donc, il faut vraiment prendre le recul nécessaire, ne pas avoir peur d'aller voir dans les comments comment est-ce que cet influenceur a été décrié ou pas, s'il a une grande communauté, et aussi jouer vraiment le consommateur averti, c'est-à-dire avant de cliquer, c'est de voir si le produit, en fait, est propre à la consommation ou à la vente. Donc, pour ça, je peux vous renvoyer vers nos comparateurs pour vraiment garder cet esprit critique et ne pas cliquer dans le feu de l'émotion et prendre vraiment ce recul nécessaire. Par ailleurs, s'il y a un code promo, on peut vraiment déduire que là, il y a vraiment un intérêt et que ça va au-delà de l'expérience propre. C'est vraiment... Donc, il faut garder vraiment... Garder son sang-froid et pas cliquer sur le feu de l'émotion, effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a un contrôle
des influenceurs? Est-ce qu'ils sont quand même liés à un organisme, je ne sais pas, qui contrôle ce qu'ils font? Et en cas de dérapage, est-ce qu'on a des recours possibles? Donc, en matière d'influence et de marketing d'influence, il y a déjà la communauté, je dirais, la communauté des followers qui peut vite sanctionner quand on fait n'importe quoi. Et donc, ce qu'on peut faire de façon tout à fait sympathique, c'est leur dire, ben voilà, là, t'es occupé à faire de la publicité, de le mettre en comments et leur signaler ça. Mais ça reste complètement aléatoire. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment de problème en matière de publicité. Pour autant, vous n'avez pas encore cliqué, en fait. Oui. Vous pouvez très bien scroller et vous dire, voilà, j'ai tout un flux de publicité. Et si vraiment vous voyez qu'il y a vraiment des récidives, on peut toujours le signaler à l'inspection économique du SPF Économie, qui va faire une enquête sur base d'une plainte ou d'initiative. D'accord. Et en cas de publicité mensongère, il y a le jury d'éthique publicitaire qui a déjà sanctionné pas loin des influenceurs pour publicité mensongère sur base du code de droit économique. Et donc les sanctions, c'est quand même assez sévère. Il y a des peines d'amende qui peuvent aller entre 80 000 et 400 000 euros pour publicité déguisée ou publicité mensongère. Et en cas de contrefaçon, ben c'est des peines de prison. En fait. Ah oui, oui, donc ça va quand même jusque-là. Alors, je voudrais qu'on termine avec une anecdote dont tu m'as parlé avant qu'on entre en studio. Parfois, on peut se dire, ouais, allez, c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on risque? Je suis quand même capable de détecter si on va essayer de me vendre n'importe quoi. Mais il y a un journaliste qui a fait une expérience, et d'ailleurs, il le publie sur YouTube, je pense que... C'est un français, oui. Voilà, tu peux expliquer un peu ce qu'il a fait? Oui, en deux mots, donc ça, c'est mon fils qui me l'a indiqué. En deux mots, ce français a voulu mettre au point une espèce de guet-apens par rapport aux consommateurs en créant de toutes parts un produit avec une appellation vraiment bio, équitable, etc. Et dans la composition, outre des huiles essentielles, il y avait vraiment une fine dose de poison. Et il a essayé de recruter des influenceurs pour pouvoir vendre ce produit. Et alors là, évidemment, il y en a une dizaine qui a accepté de recommander un produit qui, en fait, est tout à fait impropre à la consommation et complètement illégal. Et donc ça prouvait vraiment que, effectivement, certains influenceurs n'avaient absolument aucune éthique par rapport, ou même aucune connaissance par rapport à ce qu'ils étaient prêts à mettre en avant pour peu qu'on leur offre des produits ou des avantages. Mais je vous invite à cliquer sur le lien parce que, bon, c'était un peu long, c'est une trentaine de minutes, mais c'est vraiment assez interpellant. On vous met le lien vers cette vidéo YouTube dans nos commentaires de cette séquence-ci. N'hésitez pas à aller voir, c'est effectivement intéressant. Ça permet de montrer par l'exemple à quel point on peut parfois se retrouver face à des gens qui, soit par malhonnêteté, soit par total inintérêt de la santé d'autrui, peuvent se retrouver à vanter les mérites de quelque chose qui peut être dangereux pour vous. Voilà, gardons l'esprit critique. Exactement, ça va rester la conclusion. Et puis surtout, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des conseils par rapport à certains produits qui peuvent être mis en avant comme ça par les influenceurs, évidemment, testachat.be, vous avez toujours probablement une étude qui a été faite ou un commentaire qui a été fait. Si vous trouvez un produit sorti de nulle part sur lequel Testachat ne s'est pas encore penché, eh bien, envoyez-nous un petit message. On sera ravis d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe et ce qui se cache sous ces noms-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Alors, on quitte les réseaux sociaux et nous allons maintenant passer à une séquence investissement. Et c'est Nicolas Claes qui me rejoint une fois de plus. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. Alors, il va falloir qu'on commence à envisager de faire un best-of de tes vidéos de conseils d'investissement. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis le début des capsules, vous savez qu'on a déjà abordé la thématique des bons d'État et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'ils reviennent nous parler des bons d'État? Mais parce qu'en fait, le feuilleton a de nouveaux épisodes, il se passe des choses aujourd'hui et on en parle quand même pas mal depuis quelques semaines. La nouvelle campagne de bons d'État a enfin été lancée, tu en parlais il y a quelques mois. Et on en parle parce que dans la campagne précédente, les épargnants ont pu récupérer 22 milliards d'euros partagés. Hein, c'est pas chacun, j'imagine. C'est pas chacun. Oui, sinon, je râlerais vraiment d'avoir raté ça. Et tu peux nous en dire plus? Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors oui, donc il se fait que l'an dernier, l'État avait fait une nouvelle campagne de bons d'État.
C'était des bons d'État à un an et qui offraient un taux à l'époque donc de 2,81% en net, ce qui était beaucoup parce qu'on venait d'une période où les épargnants avaient été habitués à des taux proches de zéro. Et là, tout à coup, on leur offre presque 3% finalement. Et ça a évidemment rencontré un énorme succès puisque ce sont 22 milliards de fait qui ont été investis, ou quasi 22 milliards qui ont été investis dans ces bons d'État par les particuliers en Belgique. Un montant record. Oui, c'est énorme. Et ces 22 milliards, eh bien, les épargnants viennent maintenant de les récupérer. Oui, ils les ont récupérés cette semaine sur leur compte, sur leur compte bancaire. Alors évidemment, l'État, lui, il aimerait bien récupérer une partie, une bonne partie de cette épargne. Et c'est pour ça que depuis ce jeudi, il propose une nouvelle campagne de bons d'État, avec cette fois deux bons d'État, un bon d'État d'une durée de un an, et qui offre un taux net de 1,93%, et un bon d'État d'une durée de 10 ans, donc là on est sur une durée beaucoup plus longue, et qui lui offre un rendement net de 1,96% par an. D'accord, donc c'est un peu moins que le précédent, mais c'est quand même plus intéressant que le 0% ou le 0,00001% que certains comptes épargne nous offrent. Oui. Et toi qui as une boule de cristal et qui vois dans l'avenir des investissements, tu penses que ça va marcher ? Alors, ça va marcher probablement beaucoup moins que, la fois que l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, comme tu le disais, le taux, il est quand même plus bas. On est à un peu moins de 2% contre un peu moins de 3% l'année passée. Donc, c'est une grosse différence. Il faut savoir que les taux sur le marché ont baissé entre-temps. Ce qui avait fait le succès l'année passée, c'était aussi une fiscalité favorable, puisque les intérêts étaient taxés à 15% seulement. Maintenant, c'est de nouveau la taxation habituelle de 30%. Et troisième chose, c'est que les 22 milliards, ça aiguise les appétits. Donc, il y a l'État qui voudrait bien récupérer une partie de cet argent, mais les banques qui ont perdu ces 22 milliards l'année passée, elles font tout aussi pour le récupérer. Et donc, ça explique pourquoi le Trésor lui-même admet volontiers qu'il ne récupérera pas ces 22 milliards. Il table sur 4 milliards. Ah oui, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Est-ce qu'il va y arriver ou pas ? Ça, on le saura dans deux petites semaines. D'accord. Bon, et tu dis que les taux repartent à la hausse. Globalement, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants, alors ? Alors, les banques font un effort sur les taux en ce moment. Et c'est vrai qu'on voit fleurir un peu partout donc des offres promotionnelles sur des comptes à terme, sur des bons de caisse à un an essentiellement, donc en concurrence avec le nouveau bon d'État à un an. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui peut en profiter. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la meilleure nouvelle à laquelle on a déjà pu assister. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que ces offres seront avant tout temporaires et qu'il n'y a pas vraiment de réelle volonté des banques, en tout cas des grandes banques, d'offrir sur la durée des bons taux. Alors, les meilleurs taux aujourd'hui à un an, on les a chez ING, chez KBC, chez Belfius. Ils offrent 2,66% net pour quelqu'un qui bloque son argent pendant un an. Oui. C'est très bien. Et donc, les clients de ces banques pourraient se dire « Ah ben, ça y est, c'est génial, ma banque est enfin généreuse avec moi. » Oui, sauf que ce sont des taux soumis à condition puisqu'ils ne s'appliquent qu'à de l'argent frais. Alors, l'argent frais, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent que tu ne possédais pas déjà dans ces banques. Donc, si tu as 1 000 euros chez ING, par exemple, et que tu te dis sur ton compte à vue, sur ton compte d'épargne, tu dis « Ah, ben, je vais aller le placer dans le compte à terme qui offre 2,66 », c'est ça pas possible. Ça marche pas. Non. Il faut vraiment apporter de l'argent qui vient d'ailleurs, ou de ton salaire, ou du réinvestissement du bon d'État de l'année passée. Mais ça exclut de facto une bonne partie, en fait, des épargnants de ces banques. Et donc, d'accord, c'est ce qui me fait dire que la prochaine fois, quand tu auras plus 22 milliards à récupérer, on aura sans doute des taux beaucoup plus faible et il y aura plus cette volonté de proposer le meilleur taux. Et il y a un deuxième indice, c'est que finalement l'épargne aujourd'hui est encore concentrée essentiellement sur les comptes d'épargne et pas sur les comptes à terme. Et les comptes d'épargne, là, ça représente 275 milliards d'euros. Et ces 275 milliards d'euros, en tout cas une bonne partie de cet argent qui est logé dans les grandes banques, lui, il reçoit encore un taux qui est de l'ordre de 1% environ par an. 1%, c'est très faible. Oui. C'est beaucoup plus faible que les taux du marché. Et donc, ça montre que les banques n'ont pas vraiment la volonté de rémunérer correctement l'épargne de leurs clients. Leur priorité aujourd'hui, c'est récupérer ces 22 milliards. Et puis, quand elles les auront récupérés, elles ne feront plus d'efforts, en fait. Oui. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les banques mouillent leurs chemises pour nous ? Augmenter la concurrence entre les banques. Hein. Donc, on a vu, c'était un peu l'objectif en fait, du bon d'État l'année passée. C'était, puisque les taux des comptes d'épargne étaient très faibles, le ministre à l'époque voulait proposer un produit concurrent pour inciter les banques à relever leurs taux. On voit que ça n'a pas marché sur les comptes d'épargne. Et donc, on voit aussi que cette mesure n'est pas suffisante. Donc, nous, on appelle aussi le prochain gouvernement à adopter des nouvelles mesures pour justement favoriser la mobilité de l'épargne.
à savoir la transférabilité du numéro de compte. Mm-hmm. Ça, c'est, donc, tu gardes ton numéro de compte si tu changes de banque, comme tu gardes ton numéro de téléphone si tu changes d'opérateur. Ça semblait impossible avant de garder son numéro de téléphone en changeant d'opérateur, et pourtant maintenant c'est possible. Pourquoi pas le numéro de compte ? Exactement. Et ça, c'est une des mesures, je pense, phares qui pourrait aider les consommateurs à changer de banque beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, et donc à faire pression sur les banques qui verraient leurs clients partir pour les retenir et pour proposer une offre suffisamment attractive, plus attractive qu'aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est un gros travail à faire. Croisons les doigts pour que ça puisse se faire. Alors, on va résumer, on va tenter de résumer parce qu'on est un peu parti dans beaucoup de directions. Ouais. Aujourd'hui, il y a les nouveaux bons d'État, il y a les offres des banques. Qu'est-ce que tu conseilles à nos consommateurs, aux consommateurs qui suivent, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, qu'ils soient petits ou gros épargnants? Parce qu'on peut avoir une petite somme à investir, mais on peut aussi en avoir des beaucoup plus importantes, et écouter et regarder nos vidéos sur le plateau de Test-Achat. Alors évidemment, la question essentielle, c'est est-ce qu'il ne faut pas souscrire à ces nouveaux bons d'État? Ça se résume à ça. Vu les taux plus faibles et vu le fait qu'il y a de nombreuses opportunités ailleurs, j'ai envie de dire que ce ne serait pas mon premier choix d'aller dans ces bons d'État. Pour ceux qui peuvent profiter d'une meilleure offre dans leur banque, qu'ils y aillent. C'est le moment, ils auront encore un bon taux pendant un an, deux ans, trois ans peut-être. Autant en profiter. Par contre, c'est l'occasion aussi, sans doute, de vérifier un peu la générosité de sa banque. Et donc de comparer ce qu'elle offre par rapport à ce qu'offre donc le bon d'État, mais par rapport à ce qu'offre aussi d'autres banques. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres banques qui, pendant toute l'année, pas seulement pendant la période de promotion, sont plus généreuses. Souvent, ce sont des banques en ligne. Et donc, je veux dire, quitte à changer de banque, autant aller vers une banque qui est généreuse sur toute la durée et pas vers une banque qui donne un bon taux aujourd'hui, mais dont on voit qu'il y a des conditions. Parce que s'il y a des conditions, ça veut dire qu'elle ne peut pas être généreuse par la suite. Oui. Ça, c'est une première chose. Attention aussi qu'on parle de bons de caisse, de comptes à terme, de bons d'État. Ce sont des produits à durée fixe. Ça veut dire quoi? C'est que tu bloques ton argent pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Et avant ça, tu ne peux pas le récupérer. Oui, donc il faut s'assurer que ce n'est pas une somme d'argent dont on a besoin pour la vie, pour le quotidien. Et... Exactement. Ou même si tu envisages d'acheter une nouvelle maison, un nouvel appartement dans un an, dans deux ans, il ne faut surtout pas bloquer ton argent pendant cinq ans parce que sinon, tu vas être bloqué, tu ne pourra pas emprunter, ou alors il faudra revendre ce bon de caisse et avec des pénalités assez importantes. Dernière chose, c'est qu'on parle ici beaucoup en ce moment des comptes à terme, des bons de caisse, des bons d'État, avec des rendements qui sont autour de 2%, 2,5% dans le meilleur des cas. Ce sont des rendements qui restent quand même assez faibles par rapport à l'inflation. L'inflation, on l'attend, elle est encore assez élevée en Belgique pour l'instant. En temps normal, elle tourne entre 2%, 2,5%. Donc on voit que ce sont des rendements qui permettent tout juste de compenser l'inflation, voire même pour le bon d'État qui n'atteigne pas l'inflation. Ça veut dire quoi? C'est que si tu mets tout le temps de l'argent dans ces produits, à long terme, le pouvoir d'achat de ton épargne va diminuer. Oui. Ça, c'est un problème. Et donc, je reviens avec mon mantra habituel, qui est de dire que pour celui qui a du temps devant lui, on parle de plus de 10 ans devant lui, il n'a pas intérêt à rester dans ses produits d'épargne faiblement rémunérés, mais d'aller plutôt vers des solutions qui rapportent plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir en bourse, ça veut dire prendre des risques à court terme. On sait qu'à court terme, ça peut beaucoup fluctuer, mais à long terme, ce risque est vraiment compensé par une bonne probabilité d'avoir un gain plus élevé que l'inflation. Et donc, un ETF mondial, de nouveau c'est mon mantra pour les investisseurs qui débutent, un ETF mondial, pour commencer, c'est très bien. Et c'est vraiment ça qui va assurer de faire grossir ton patrimoine sur le long terme. D'accord. Bon, on va tenter d'appliquer tous tes conseils. Et effectivement, si vous avez envie de revoir un petit peu la matière, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de Test-Achat ou sur la page YouTube de Test-Achat, voir les différentes capsules où Nicolas est venu sur ce plateau pour nous parler des différentes formule pour investir son argent et tenter quand même d'éviter d'en perdre le moins possible, d'éviter le plus possible d'en perdre. C'est plus correct comme ça. Oui. Enfin, de ne pas en perdre, quoi. Enfin, de ne pas en perdre, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et merci à très bientôt, Stéphanie. Alors. Au revoir. Au revoir. Nous allons terminer ce plateau avec une dernière thématique. On va parler d'un sujet extrêmement actuel en cette rentrée scolaire. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Julie Derome du service d'aide juridique individuelle de Test-Achat. Toi, tu viens un petit peu parler avec nous des droits et devoirs des étudiants lorsqu'ils sont en COT. Et cette thématique vient parce qu'on a pas mal de parents qui en ce moment appellent chez Test-Achat ou bien t'envoient un message, t'envoient un mail pour poser plein de questions concernant la rentrée, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à quoi ils sont tenus.
tenu. C'est quoi les questions les plus récurrentes que vous recevez par rapport à ce thème? Bah, c'est vrai, on est en plein dedans, hein, et donc déjà un petit peu avant le jour J de la rentrée, mais dans le supérieur, c'est un peu plus tard, donc on est en plein dedans. Mais ça va être beaucoup quel type de bail est-ce qu'il faut qu'on signe, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, est-ce qu'il y a des règles spécifiques pour les cotes, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'étudiant locataire ou en tant que propriétaire, mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et donc on a beaucoup de ce type de questions. Et c'est vrai que, parce que c'est très récent finalement, on a aujourd'hui dans la législation un contrat type qui est ce qu'on appelle le bail étudiant. On ne peut pas se tromper. Oui, non, le titre est clair. Voilà. qui tient justement compte un petit peu de toutes les spécificités qu'on peut trouver dans le cadre d'un cote ou d'un logement plus court que ce qui existait avant, je dirais, sur le marché des baux. Et qui donc va avoir sa législation propre, ses règles propres. Elles vont être différentes sur certains aspects, pas pour tout, mais aussi en fonction de la région dans laquelle on se situe. Et donc, chacune va vraiment passer en revue qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi on doit faire attention et qu'est-ce qu'on doit respecter, en fait. OK. Donc, ça couvre quand même pas mal d'aspects. Voilà. On va essayer de quand même entrer un peu dans le concret avec quelques questions très précises. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire si quelque chose tombe en panne ou ne fonctionne pas quand on prend possession du cote? Par exemple, la douche ne fonctionne pas, le micro-ondes est en panne. La douche ne fonctionne pas, ça peut être la robinetterie qui marche pas ou l'évacuation qui est bouchée. Donc j'imagine que ça rentre déjà dans des catégories distinctes. Ouais. Donc je t'en prie, vas-y, éclaire-nous. Ben, déjà, on va... pour répondre à cette question, se focaliser que ce qui était dedans, en fait, quand on est arrivé, et pas ce qu'on a apporté, évidemment, donc ce qui est mis à disposition par le propriétaire. Du coup, ce qui va être très important, c'est de vérifier que ce qui est dedans, quand on est arrivé, ce qui est mis à notre disposition, est repris dans l'état des lieux, en fait, ce qui est détaillé. L'état des lieux, c'est une obligation dans tous les baux, quasiment, en tout cas dans le bail étudiant, très certainement, il est obligatoire au début du bail, et c'est ce qui va permettre, en fait, de cristalliser aussi une situation, qu'est-ce que j'ai à ma disposition et dans quel état c'est. Pour pas qu'on verra dans nos obligations, etc., on puisse éventuellement nous le reprocher. De manière générale, tout locataire, et ça vaut dans tous les baux, a une obligation d'entretien des lieux. Ça veut dire que oui, on doit nettoyer. Ça va de nettoyer tous les jours le plan de travail à dire tiens, là, il y a du calcaire parce que voilà, ça fait quelques jours, etc. Et d'entretenir de manière régulière tous ces appareils qui sont mis à notre disposition. Donc, si je prends l'exemple de la douche, par exemple, si la douche fonctionnait parfaitement au moment de l'état des lieux et qu'au bout de 3 mois, quand on a une tignasse comme la tienne, par exemple, l'évacuation ne se fait plus. Et bouché. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné se mettre à quatre pattes, retirer les cheveux qui sont. Tirer la masse de cheveux qui sont dedans, les mettre à la poubelle et puis vous allez voir, tadam, c'est magique, ça fonctionne absolument. À nouveau. Absolument. Et souvent ce genre de problème. Et de mettre en place des choses qui permettent d'éviter ce genre de problème dans l'avenir. Le bonnet évidemment... douche, tu veux dire. Ah oui, là, c'est le bonnet de douche. Et donc, effectivement, c'est ça qui va déterminer aussi à quel point est-ce qu'après je peux aller embêter mon proprio ou pas et qu'est-ce qui est à sa charge ou pas. Et donc, en fait, on va considérer que les réparations, en général, elles sont à charge du propriétaire. Mais il y a 3 types de réparations où on est relativement clair pour dire que là, ça va être quand même un petit peu plus compliqué de se retourner vers lui. Ça va être tout ce qui est les petites réparations, justement, qui sont liées à l'entretien. Tiens, j'ai un petit joint qui lâche parce que, voilà, c'est normal en cas de l'entretien. Donc, tout ce qui va être vraiment petite réparation, j'ai un spot qui pète. Oui, on peut pas demander de venir pour remplacer une ampoule, voilà, on est quand même capable de le faire. Ça va être à charge de l'étudiant locataire. On va avoir aussi les réparations qui seront rendues nécessaires, mais parce qu'il y a eu une mauvaise utilisation de l'appareil par le locataire. Là, on va considérer que c'est pas à charge du propriétaire, mais vraiment du locataire. Et la troisième catégorie, c'est les réparations qui auraient dû être à charge du propriétaire, mais que le locataire n'a pas signalé à temps. Et donc, on va avoir une dégradation qui va faire que les réparations vont être de plus en plus importantes. Et ce type de réparation, comme il y a une inertie de la part du locataire qui ne fait pas ce qu'il faut en disant attention, dites au fait voilà, j'ai un souci avec ci ou avec ça, là on va considérer que celles-là ne sont pas à charge du propriétaire mais qu'elles sont à charge du locataire et que donc vraiment on doit faire attention en tant qu'étudiant aussi, voire peut-être un petit peu plus si c'est la première fois qu'on vit loin de chez papa et maman, d'entretenir le bien qu'on loue, quoi. Et de manière générale, petite parenthèse, si vous signalez à votre propriétaire qu'il y a un problème effectivement qui devrait être résolu assez rapidement
vraiment pour éviter que ça dégénère, faites-le toujours par écrit, par mail et non pas par téléphone. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une preuve que vous avez averti à temps. Absolument. Et donc, on sort l'expérience. Hein. Toujours, de toute façon, dès que vous demandez quelque chose à quelqu'un, faites-le par écrit. Voilà. Et c'est vrai qu'en dehors de ces cas un peu spécifiques que j'ai cités, ben, les réparations seront en charge du propriétaire, donc il va renvoyer quelqu'un déboucher si là c'était un problème plus récurrent, ou remplacer l'appareil qui était mis à disposition et qui est tombé en panne, alors que on a eu une utilisation normale de l'appareil. Quoi. Alors, est-ce que le propriétaire ou la propriétaire a le droit de débarquer à l'improviste, sonner et considérer qu'il va être accueilli dans son cote, ou est-ce qu'il a même le droit, puisqu'il a généralement un double des clés, de débarquer et d'utiliser son jeu de clés pour venir voir si tout se passe bien? Alors, s'il y a bien une chose qui ne change pas, qu'on soit sous un bail étudiant ou n'importe quel bail, c'est en fait non. Le propriétaire, il n'a pas le droit de débarquer à l'improviste, il n'a pas le droit de s'imposer, etc. C'est relativement cadré aussi. L'idée, c'est toujours de toute façon demander. Donc, en fait, il faut qu'il remplisse plusieurs conditions, on va dire. L'idée, c'est toujours de demander l'autorisation du locataire, sauf extrême urgence, mais qui sont extrêmement limitées. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la base, c'est de demander. De deux, c'est d'indiquer le motif, quelle est la bonne raison. Oui. Alors, ça peut être justement pour faire les réparations. On en a parlé, on nous signale qu'il y a un problème. Donc, on souhaite venir faire les réparations. Et là, le locataire doit lui donner accès, sinon ça va être compliqué. On ne peut pas à la fois demander de venir faire une réparation et ne pas laisser la personne rentrer. Mais on va convenir d'un rendez-vous, de quand est-ce qu'on peut venir. Et ça ne va pas être OK, je sonne un soir à 20h pour venir réparer le robinet. Ça ne va pas. Par contre, ce qu'on va considérer comme étant une bonne raison, c'est une fois par an, il souhaite voir un peu quel est l'état des lieux. Oui. Donc faire un petit tour, checker que tout va bien, ça on va considérer que c'est une bonne raison. Mais c'est toujours sur rendez-vous, voilà, avec accord préalable. C'est toujours avec accord préalable, sur rendez-vous, on détermine ensemble du moment auquel il a lieu. Donc dans tous les cas, en fait, à part une exception, s'il y a mise en danger, etc., mais il n'y a pas de droit quelconque à débarquer à l'improviste et à faire usage d'un éventuel double de clé qu'on aurait éventuellement gardé par précaution. D'accord. Ok. Donc bon, toujours bon à savoir. Oui. Hein. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une peut-être première location, première expérience de vie seule, on n'ose pas forcément s'opposer, mais on peut comprendre qu'effectivement, surtout avec les cotes étudiants, que le propriétaire puisse avoir une idée de ce qui se passe. Voilà. Ne fût-ce qu'une fois par an, bien, vérifier quoi. Que tout va bien. Voilà, exactement. Ça semble effectivement correct. Alors, imaginons, selon le contrat de location, le nettoyage a lieu chaque semaine, par exemple pour les parties communes. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'est pas fait? Alors, on vient de parler de l'obligation d'entretien du locataire. La première question qui va se poser, évidemment, c'est est-ce que cette obligation d'entretien, comme on vient d'entendre parler, c'est de dire, mince, est-ce qu'elle s'applique aussi aux parties communes ou pas? Là, on va faire un petit peu la distinction dans le type d'immeuble dans lequel est le COT, en fait. Parce que soit vous êtes dans une copropriété, et très souvent, en fait, y a plusieurs propriétaires, et donc le nettoyage des communs, il est prévu par le règlement d'ordre intérieur, il est prévu dans tout le fonctionnement de la copropriété, et il est commandé auprès soit du concierge, soit auprès d'une firme, etc. Et ça rentre dans les charges. Donc là, on est vis-à-vis je dirais, ça se situe au niveau du propriétaire. Et s'il y a un souci, je dirais que peut-être d'abord aller en parler au syndic ou au concierge en disant, tiens, j'ai remarqué que, avant d'éventuellement faire escaler la question au propriétaire. Et puis, on va avoir le cas de figure où, imaginons, le propriétaire est propriétaire de tout l'immeuble et il y a plusieurs cotes dedans. Donc, ce n'est pas forcément une copropriété au sens légal du terme. Et en fait, là, c'est comme tout. Il faut qu'on aille voir ce qui était prévu dans le contrat. Peut-être qu'il était prévu que le propriétaire, justement, pour éviter un petit peu les discussions, fasse venir une firme de nettoyage. C'est prévu dans le contrat. Il y a éventuellement des charges qui sont prévues à cet effet ou pas. Mais c'est de dire, si c'est le cas, au propriétaire, tiens, en fait, je rends compte que ça fait 2 semaines que la firme n'est pas venue. C'est de le prévenir, voir un petit peu sonder sa réaction et, le cas échéant, un petit peu le pousser en disant, bon, maintenant, ce serait bien que vous courriez après votre firme parce que c'est votre obligation. Peut-être que le bail va prévoir aussi que ça va être à charge de l'étudiant. On ne sait jamais si c'est une toute petite copropriété.
Avec qui a un palier, oui, voilà, enfin, juste un voilà, palier, un hall d'entrée. C'est un tout petit immeuble. Oui. Donc, voilà, c'est toujours un peu la réponse de ça dépend ce que le contrat mm-hmm. dit, mais c'est vraiment ça qui va tirer la ligne sur à quel moment est-ce que je peux considérer que j'ai le droit de demander à mon propriétaire de dire faites le nécessaire pour que ce soit nettoyé, peu importe le cadre, la configuration mm-hmm. dans laquelle on est, ou ben, en fait, c'est une obligation qui m'incombait quelque part. Et oui. donc, c'est difficile d'aller réclamer quoi que ce soit à ce moment-là. Quoi. Mais donc, voilà, on a vraiment... Après, il y a encore plein de questions mais qui oui, se j'imagine, posent. On pourrait aussi s'installer et en parler pendant plus d'une heure, qu'on n'aurait pas fait. Encore fini de faire le tour. Voilà, il y a plein d'aspects, mais qui sont soit légiférés, soit que la pratique, pour laquelle la pratique va vraiment dégager une solution mm-hmm. ou une réponse. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut jamais hésiter à nous appeler au centre d'aide juridique, au centre d'aide individuelle, et on va pouvoir répondre aux questions... supplémentaires qui sont posées. Mais justement, toute question, appelez-nous, c'était la dernière phrase, pour aider les personnes qui nous suivent à retrouver le numéro de téléphone, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Sur le site, la page d'accueil, en haut à gauche, il y a un petit onglet qui orange qui s'appelle appelez-nous. Ah, c'est facile. Et donc voilà, on clique là-dessus et c'est le premier onglet, le premier cadre qui s'appelle mes droits et là vous avez la ligne du service juridique. Ok, donc vous appelez le service juridique voilà. En cas de pépin, en cas de doute, en cas de question, avant d'aller faire un sitting sur le palier de votre propriétaire pour dire il faut venir nettoyer mon escalier, c'est peut-être pas ce qui est prévu. Tout à fait. Ok, ben merci beaucoup encore une fois avec d'avoir éclairé nos lanternes et de nous avoir toutes et tous aidés à faire les bons choix dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Julie. Avec grand plaisir. Et bien voilà, ça termine déjà l'émission d'aujourd'hui. On a eu des sujets très divers et très intéressants. On a parlé de l'enquête, de fiabilité, de satisfaction des petits appareils électroménager. On a parlé de la manière à laquelle les influenceurs pouvaient impacter nos décisions d'achat et à quel point il fallait rester vigilant et méfiant par rapport à ce qu'ils nous proposent ou nous conseillent d'acheter. On a parlé investissement avec les bons d'État et on a terminé avec les droits et les devoirs des étudiants en cote. Si vous nous avez rejoint en cours de route, ben ça vous donne une petite idée du programme. S'il y a un sujet qui vous intéresse, ben vous remontez en arrière dans la vidéo ou bien vous pouvez passer un peu plus loin s'il n'y avait qu'un seul des sujets qui vous intéressaient. En tout cas, rendez-vous sur toutes les plateformes où nous sommes présents, y compris sur notre site internet testachat.be pour retrouver toutes ces capsules aussi en pièces détachées s'il y a vraiment des détails que vous avez envie d'affiner ou bien de partager avec vos amis. D'ici à la prochaine émission, je vous souhaite de très très belles journées, une très belle rentrée et surtout, faites de bons choix.